Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler skin care, je vais vous parler de comment obtenir une peau canon, style glass skin comme les coréennes, une peau vraiment luisante, brillante, sans imperfection, vraiment notre peau goal qu'on recherche tous. Et il s'agit d'un ingrédient secret, un ingrédient dont personne parle. Moi, ça fait quelques semaines que j'ai découvert ça, j'ai testé et j'étais choquée des résultats. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc si tu as envie de découvrir de quel ingrédient secret il s'agit pour obtenir une belle peau, continue à regarder la vidéo, c'est parti. La tomate, c'est l'ingrédient qu'il vous faut intégrer dans votre skincare. Ça va vous changer la vie, c'est moi qui vous le dis, je vous l'assure. Que la tomate contient beaucoup de vitamine C et la vitamine C, c'est un éclaircissant naturel, donc ça va illuminer le visage, ça va vous rendre une peau radieuse, réduit l'excès de sébum. Moi qui ai la peau super grasse au niveau de la zone T, bah la tomate c'est mon nouveau meilleur ami. Ça réduit les pores dilatés, ça réduit les points noirs. C'est un excellent après-soleil parce que la tomate, elle contient du lycopène. Et le lycopène, c'est un antioxydant, si vous voulez, naturel. Donc, ça a un effet comme un écran solaire naturel. Ensuite, c'est un antiride naturel. Ça rend la peau douce. Ça élimine l'acné. Donc, si tu as de l'acné, la tomate, c'est ton nouvel allié. Donc voilà, ça vous illumine le visage, ça vous rend la peau douce, ça vous donne un joli grain de peau. Bref, la tomate, vraiment. Alors j'ai deux tomates avec moi. J'ai une petite tomate cerise qui est abîmée, donc c'est parfait pour l'utilisation qu'on va en faire. Et j'ai une petite tomate aussi, une moyenne. Donc je vais commencer par la tomate cerise. Je vais la couper en deux. Et celle-ci, vu qu'elle est petite, elle est parfaite pour la zone T. Comme je vous ai dit dans l'intro, la tomate aide vraiment à réduire le sébum. Et moi, bah, j'ai la peau mixte et j'ai vraiment la zone T ici super grasse. Donc ça, je vais l'appliquer directement sur ma zone T. C'est parti. Vraiment appliquer la tomate directement avec le jus sur cette zone là. Oh là là, c'est sûr. Ouh! C'est un peu frais là, ça sort du frigo, mais c'est super agréable. Oh. Je vais vous montrer de près. Ce close-up. Franchement, je pense que je vais même pas utiliser la grande tomate, hein, parce que les tomates cerises, c'est parfait pour le visage. Et pour l'appliquer, c'est super agréable. C'est la taille parfaite. Regardez, ça va bien dans les coins. C'est top, top, top. Donc voilà, on va laisser agir ça pendant 10 à 15 minutes environ. Du coup, je pense que je vais regarder une petite vidéo YouTube sur mon téléphone. Là, je regarde un haul des sœurs, des jumelles Badoura, je les aime trop, elles sont tellement belles. Alors du coup, ça fait 10 minutes que j'ai le masque à la tomate sur le visage et maintenant je vais le rincer. C'est parti. Donc voilà, j'ai le visage tout propre, tout sec. Je suis trop contente. De maths, ça m'a littéralement matifié le visage, comme vous pouvez le voir. Puis mon nez, là, si on zoome un petit peu sur mon nez, ouais, j'ai pas tellement de points noirs. Regardez, mes pores, ils sont refermés. Et la peau, elle est douce, mais je suis choquée, genre vraiment. C'est trop, trop bien. À chaque fois ça m'étonne, hein, parce que bah, je fais ça souvent du coup. Mais essayez ça vraiment, essayez vraiment et dites-moi ce que vous en pensez. Et le fait que la peau soit douce comme ça après coup, vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Bah du coup voilà, c'était mon application de la tomate. Et si jamais il y a plein d'autres façons de l'appliquer, vous pouvez également faire des masques exprès pour des buts précis. Je sais que vous pouvez mélanger la tomate avec du miel, avec du citron, du café, par rapport à votre peau.
Moi, je l'applique directement comme ça sur le visage hein, pour avoir tous les bénéfices de la tomate. Mais je vais vous mettre dans la description quelques petites recettes de masques. On n'en parle jamais de la tomate et de ses bénéfices. Et ça m'étonne d'ailleurs que cet ingrédient soit pas intégré dans des nettoyants, dans des cosmétiques, skincare, etc. Ma peau, elle est incroyable après avoir fait ce petit masque à la tomate. Et on l'adore, hein, c'est un ingrédient naturel, bio, pas cher. Et si on peut le manger et aussi l'intégrer dans sa skincare, franchement, que demander de plus? Donc voilà, la tomate, c'est la base. Vous devez l'intégrer dans votre skincare. Essayez vraiment ça, vous allez être choqués des résultats. Moi, ce qui me choque vraiment le plus à chaque fois que j'utilise de la tomate comme ça sur mon visage, c'est après coup à quel point ma peau, elle est douce. C'est un truc de dingue. Et du coup, voilà, si t'as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime. Si t'as pas aimé, mets un j'aime pas, c'est égal, fais comme tu le sens. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, sur mon compte Instagram. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Besitos.